Et avec ces conneries, hein, les conneries d'Alice et d'Iva qui sont 100% fautives et coupables, j'ai eu le résultat en différé. Hein, j'ai oublié de remettre l'enregistrement en cours, donc ne vous inquiétez pas, ah bah vous avez raté moi qui chope encore de la merde et moi qui trouve à l'instant l'émetteur. Maintenant, je peux le rapporter à ce pirate. Et juste avant, vous avez raté des bananes. Voilà. C'est comme des bananes, mais avec une croisée avec une baleine, comme il dit si bien dans Animal Crossing. Je crois que j'ai fait juste une partie de AE Dungeon, et tout ce que j'ai fait, c'était faire une apocalypse de démons dans une ville. C'était sympathique. Mais le pire, de façon totalement random, tu sais. Oh, mais tu sais, Iva, elle regarde quelqu'un et elle fait péter un pays, alors... Avec Geeks, on avait fait un essai, il y avait un nain qui m'avait mal regardé, j'ai explosé tout son peuple. Elle est dans la vie, j'ai explosé tout le monde. Oh, putain. Bah, en gros, mon personnage, c'était un rogue. Et du coup, bah, le truc faisait, ouais, vous voulez entrer dans une boutique, mais il y a deux gardes, machin. Du coup, bah, j'ai fait rentre discrètement. Sauf que l'IA a dit rentre discrètement et j'ai buté les deux gardes. J'étais là, mais... Bah, du coup, j'ai tout looté, tu vois. Tranquille. Puis après, je vais à l'auberge, j'ai le thé, on m'accuse des meurtres des gars. Je fais non, c'est pas moi, tu sais. Puis je fous la merde dans l'auberge. Et en ressortant, je me fais choper par des gardes et je fais non, enfin... Je crois que j'ai tabassé quelques gars de l'auberge. Et j'étais là, ah, oh, mais ils l'ont mérité, c'était des impurs, tu vois. Non, attends, et genre... Mais, non, vas-y, toi. Et genre, en fait, j'ai réussi à convaincre genre le maître des gardes. J'ai dit plusieurs fois, tu sais, j'étais sérieux, t'as fait le visage sérieux, etc. Et ça a tellement bien marché qu'en fait, c'était vrai. Qu'ils étaient vraiment impurs et que c'était devenu des démons et qu'ils avaient commencé à attaquer tout le monde. Cette influence. Non, enfin, avec Dix, on avait fait une partie en multi et à un moment, il y avait son personnage qui était venu vers le mien qui s'était cassé la gueule. Et l'IA, au début, elle commençait à partir sur un chip entre moi et lui, genre. Je sais plus ce qui s'était passé exactement. Mais. Il y a le Lulu qui est en train de traumatiser sur une rêve partie dans le bocal, là. Ah, mais vous étiez occupé à discuter, alors moi je suis là en mode je m'amuse, hein. Eh, hey, t'as vu le nombre de clochettes que j'ai, Iva? 1,69, clink clink. Nice. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Et si tu nous racontais tes aventures d'Urbex avec Bélial, tu sais, quand vous faisiez des explorations la nuit, seul, dans le noir, juste lui et toi, tout seul. Non. Eh bien. Ah, je te jure, ils ont fait des trucs la nuit, Iva et Bélial. Wow. T'as pas de preuves. Tu sais, rien que ça, ça veut tout dire. Et surtout, le t'as pas de preuves, ça me fait juste remonter la conversation et... Et trouver les preuves. Je t'avais pas screené, en tout cas. Oh putain, c'est par contre, oh merde. C'est tellement malaisant. J'ai plus de dignité là, si Lulu les passe, j'ai plus de dignité. Non, je garde ça secret, mais disons que je sais des choses et je rends le ship canon parce que Iva a pleuré pour lui. Ah oui, c'est vrai. Et elle a pleuré dans son lit, pas dans le lit d'Iva, dans son lit. À lui. Sur ces conneries, c'est la fin d'Animal Crossing. Ceux qui restent pas, bah vous restez pas. Et YouTube, on se fait des bisous. Des bisous.